Bonjour, comment vous allez? Comment ça va? Merci. Bon, aujourd'hui on va parler des feedbacks. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous... Déjà, j'aimerais remercier tous ceux qui laissent en commentaire leur expérience sur les produits qu'ils ont utilisés. C'est très très important et comment dire en anglais, very helpful. Donc, ça aide beaucoup. Pourquoi? Parce que ce que vous ignorez, c'est que si aujourd'hui beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous se retrouvent coincés, entre parenthèses, ne savent plus quoi faire, ne savent pas quel produit utiliser, ne savent pas où donner de la tête, c'est parce qu'on ne partage pas l'information. On ne partage pas. Voilà pourquoi les gens tombent dans les mêmes pièges, les mêmes erreurs, les mêmes trucs. Et voilà, ça continue. Et qui profite de ça? Les gens qui vendent les produits, les gens qui fabriquent les produits, les gens qui continuent à faire n'importe quoi. Et vous, vous continuez à vous taire, vous ne dites rien. Vous parlez dans votre cœur ou bien vous parlez à une amie et ça s'arrête là. Alors que quand vous retournez l'information, vous dites haut et fort, j'ai utilisé ça et voilà. Ça aide une autre personne, soit à essayer, soit à éviter. Donc, moi, je voudrais encourager tout le monde à donner des feedbacks. Donner des feedbacks parce que ce n'est pas seulement pour moi. Déjà, un, pour moi, ça m'aide à améliorer mon service vis-à-vis de vous, à mieux conseiller également. Je vais prendre comme ça un exemple. Il y a des produits que j'ai commencé à commercialiser au Cameroun pendant des... J'ai commencé à commercialiser ces produits pendant des années. Pendant près de 2 ans, j'ai vendu ces produits. Je n'ai jamais su si c'était bon ou pas. Donc, je ne savais pas parce que personne ne me disait rien. Ce que j'ai compris après, c'est que quand ça finit, tout le monde demande. Mais quand tu demandes à quelqu'un, c'est comment il te dit rien. Il te dit rien. Parfois, il te dit même que non, c'est pas ça que j'utilise. Ou bien on te dit non, c'est là. Bref, on te dit rien. On te dit rien. Et c'est quand ça finit et que tout le monde demande et se presse pour avoir le produit, je dis mais attends. Donc ça marche. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas l'information. Alors moi, un jour, je dis à certains de mes clients que, écoutez, le fait de me dire que c'est un produit qui marche, pour moi, déjà, ça évite que je vais vous créer les ruptures parce que si je commande un produit et je viens avec, personne n'achète. Je vais encore commander le produit. Pourquoi? Je ne commande pas. Ça veut dire que ça marche pas. Mais quand vous me dites que non, le produit marche, les produits viennent de très loin. Moi, je prends les produits aux États-Unis, j'amène au Cameroun. Vous achetez comme si vous vous en foutez. Et après, quand ça finit, vous me demandez, moi, je fais comment? Je ne marche pas à pied pour aller aux États-Unis et récupérer les produits et venir avec. Ça prend du temps. Donc, informez-moi pour que je sache que je dois tout le temps avoir ce produit en stock. Et c'est la même chose qui se répète à chaque fois parce que tout le temps, je remarque toujours que mes clients en général, très peu sont ceux qui me disent ça marche ou ça marche même pas. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne sais pas. Et parfois aussi, quand ça ne marche pas, vous disparaissez seulement et puis on ne vous voit pas. C'est important de revenir encore avec l'information pour dire non, chez moi ça n'a pas marché, voilà ce que moi j'ai eu comme résultat, etc., etc. Je remercie tous ceux qui me donnent leur feedback parce que c'est vraiment important. Il y a des produits comme ça que tu peux vendre, tu vends tout le temps et puis tu te dis que le produit est bon, alors que peut-être il n'est pas bon. Et à un moment donné, quelqu'un va te donner juste une information comme ça que non, ce produit, il ne va pas, il a fait ci, il a fait ça. Bam, tu ne vends plus. Tu laisses tomber. Ça sert à quoi de continuer à vous vendre le produit qui ne marche pas? Moi, je cherche, je fais des recherches, mains et pieds pour vous trouver les meilleurs produits qui existent sur le marché. Alors, si je n'ai pas le retour d'information, comment vous voulez que je vous conseille les meilleurs produits du monde? Je vais passer tout mon temps à faire ces mêmes recherches. Vous ne savez pas combien de temps ça prend pour savoir si un produit est bon ou pas. Vous ne pouvez même pas imaginer. Alors que si vous faites des feedbacks, comme par exemple sur les produits Glow, j'ai reçu beaucoup de feedbacks, même en commentaire. Vraiment, je vous remercie beaucoup parce que ça m'aide beaucoup même à comprendre beaucoup de choses. Et je suppose que beaucoup de personnes aussi qui ont lu ce commentaire, ça les aide également à mieux comprendre et à mieux faire leur choix. C'est tout ce qu'on demande.
Et là, on s'entraide. Vous comprenez un peu. Moi, j'améliore mon service et vous, vous faites des meilleurs choix. Aussi simple que ça. Mais quand vous, vous gardez l'information, vous ne voulez pas partager. Et en passant, je voudrais remercier une cliente particulière qui a vraiment voulu faire un feedback très particulier avec moi. Et ça me va vraiment dans le cœur. Ce sera dans une autre vidéo et je vais vous dire, c'est très 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 chouette. Merci beaucoup ma soeur Zeddy. Donc, mes chers, je voudrais vraiment vous encourager à faire les feedbacks. Les feedbacks ne sont pas toujours positifs. Donc, ce n'est pas toujours me dire que non, ça a marché, ça a marché. Quand ça n'a pas marché, vous dites aussi non, ça, ça n'a pas marché à ce niveau. Et quand ça a aussi marché, il faut aussi dire que oui, ça a marché. C'est bien, non? Certaines personnes n'aiment pas partager. Donc, moi, je reste tranquille. Ceux qui veulent partager, je vous encourage à le faire. C'est très important. Ça va nous permettre de circonscrire les produits et de savoir que voilà les meilleurs produits qu'il y a sur le marché. Voilà les produits qu'on peut utiliser sans danger. Voilà les produits qu'on peut conseiller. Et voilà. Maintenant, ma petite expérience sera de vous dire exactement comment utiliser ces produits. Parce qu'il ne suffit pas d'acheter le produit qui est bon, mais il faut aussi savoir comment l'utiliser. Donc moi, j'apporterai ce plus-là. Et vous, et grâce à vous, j'aurai su, non, voilà les produits, voilà les meilleurs produits sur le marché. Mais si on ne partage pas, je ne peux pas tout faire seul. Ce n'est pas moi qui utilise ces produits, c'est vous qui les utilisez. Donc, revenez avec l'information, s'il vous plaît. C'est très important. Donc, voilà. J'espère que j'aurai vraiment vos feedbacks. Et voilà, je vous remercie. Et à la prochaine.